Oula, bah y a du gravier par ici là. Wesh, c'est quoi ça? What the fuck? Eh bien, salut à tous, c'est Anne. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sous grosse chaleur les gars. Putain, vous avez vu juste avant, ils ont mis plein de gravier partout tellement il fait chaud pour pas que... Bah vu que la route, elle commence à chauffer, elle fond un peu. Elles font un peu, du coup ils sont obligés de mettre du gravier pour qu'on puisse rouler dessus. Mais mec, c'est n'importe quoi la chaleur qu'il fait. Je vais m'arrêter un peu juste après pour vous montrer la chaleur sur le téléphone, combien il fait et tout. Mais mec, c'est n'importe quoi. Bon, bien sûr les gars, sous cette grosse chaleur, j'ai toujours mis les gros gants, la grosse veste. Je suis en jogging, bon. Après, je suis en jogging, c'est pas un jean, j'avoue. Mais jean, là c'est trop. Vraiment c'est trop les gars, pour mettre un jean, c'est mort. En plus, en dessous de mon jogging, j'ai mis un short. En gros je vous explique, là les gars je vais rejoindre des potes, voilà. Sauf que je vais pas rester 5 minutes, encore je serais resté 5 minutes, ok je serais resté en jogging, tu vois, je veux bien. Sauf que là je vais peut-être rester une heure et demie, voire plus. Donc vas-y, je me suis mis un short en dessous, donc là j'ai vraiment trop chaud, genre j'ai vraiment double couché tout sur la partie basse du corps. Donc c'est n'importe quoi, vraiment. Du coup là j'ai extrêmement chaud, je suis vraiment en sueur, mais les gars je suis vraiment en sueur. Je suis en train de dégouliner, j'ai pris une serviette dans mon... J'ai pris un sac parce que j'ai pris une serviette. Eh, parce que là vraiment c'est trop. Bon, j'ai pas pris d'eau, vraiment je suis vraiment trop bête. Ah ouais, c'est vraiment con là de ma part. Ah franchement les gars, ça me fait plaisir de rouler, vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait très longtemps, je crois que ça fait à peu près un mois qu'on n'a pas roulé ensemble, on va dire. T'as capté? Du coup voilà, en plus il fait très très bon hein, comme vous l'aurez compris. De toute façon ça se voit autant clairement qui nous entoure, c'est magnifique. Je prends mon temps les gars, j'ai clairement le temps aujourd'hui. Je suis vraiment pas en retard, je suis clairement en avance en fait. Donc vraiment je roule tout doucement mais sûrement. ⁇ 92 en montée. Oh là 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 là. Non franchement les gars, il fait extrêmement chaud, hein. C'est n'importe quoi. C'est vraiment horrible, hein, vraiment. Je vais m'arrêter à droite pour vous montrer sur mon téléphone combien il fait sur la météo, parce que vraiment là les gars c'est honteux. Hop, on va se mettre là. Tac. Ah vraiment c'est horrible les gars. Wesh wesh, regardez mon pied, comment il colle. C'est n'importe quoi mec. Gros regarde comment c'est nimp. J'en ai carrément sous la chaussure. Mec, j'ai carrément du goudron sur ma chaussure mec, c'est n'importe quoi hein. Mais vraiment. Il fait extrêmement chaud. Les gars, mon nouveau tel que j'avais fait une vidéo la semaine dernière. En plus j'ai reçu ma coque entre temps, coque Rhino Shield noir et bleu avec... J'ai resté en plus les gars les coques spéciales pour les appareils photo. Wesh tranquille mon ref. Du coup voilà, ça fait assez stylé. Wesh, il fait 40 degrés. À l'ombre les gars, à l'ombre. C'est n'importe quoi. Et après il pleut un peu, bon au moins ça va redescendre. Mais mec c'est n'importe quoi hein, vraiment. C'est clairement nimp les gars. Bon allez on est reparti, petite pause finie. Encore plus chaud que quand je roulais donc horrible. Par contre regardez mon pied mec. Je vais vous montrer. Oh ouais c'est miteux mec. C'est vraiment miteux frère. Enfin bref. Ah il fait bien meilleur quand on roule hein, putain. Ah oui. Par contre j'ai ma chaussure qui colle du coup au frein là. Au frein bah du coup chaussure droite. Putain c'est horrible. Ah ouais putain pourquoi j'ai fait ça, j'ai trop le seum. Oh cette montée là mec. Comment elle est défoncée la route. Oh là 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 là. N'importe quoi. Oui il y a du monde. Il y a du monde au city. Bon bah du coup carré merci mec hein. Bah madame du coup. Putain les gars on est enfin arrivé, par contre ma chaussure elle colle de fou. Oh, pourquoi j'ai fait ça, vraiment je suis le pire les gars, je suis le pire. Bon allez les gars, on se retrouve tout à l'heure quand je pars dans à peu près une heure et demie hein, les gars. Mais pour vous ça va être dans 2 secondes, c'est ça la magie de YouTube, c'est ce cas qu'on aime, c'est magnifique. Enfin bref, à tout de suite, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu frérot et c'est parti. Bon les gars, on est reparti, regardez quand on est arrivé il y avait fou le monde, regardez je suis tout seul. Hein. Je suis clairement tout seul frérot. Hop, je mets juste le gant et on est parti mec. Hop, on vérifie les poches si elles sont bien fermées. Mais putain, est incroyable. Bon du coup, il n'y a plus personne. Je meurs, vraiment c'est hilarant.
Il fait toujours aussi bon, les gars. Bon, ça s'est rafraîchi quand même depuis tout à l'heure. Hein. Il fait plus 40. Il doit faire au moins un bon 33 en vrai. Donc en vrai, ça va. Ah, le crack. Oh, le crack. Ah, le tueur. Juste, je change de route par rapport à tout à l'heure. Comme ça, c'est un peu différent de. T'as capté de tout à l'heure, tu vois. Mais putain, regardez-moi cette vue. Regarde, je vais à 16, c'est magnifique, tu vois. C'est là, je profite de ma vie, tu vois. Putain, regarde-moi comment c'est beau, ça. Regarde-moi comment c'est beau, ça. Putain, c'est magnifique. Ah putain, il fait bon, il fait chaud. Tu roules, t'as une vue comme ça, mec, sur des champs. C'est la campagne, c'est la cambrousse, c'est ça qu'on aime, mec. En vrai, je vais pas aller trop vite parce que là, je viens de l'allumer il y a pas longtemps. Elle est pas trop chaude. Donc voilà quoi, t'as capté. Bon, du coup voilà, je suis reparti, les gars. C'était bien sympatoche, hein. Franchement, c'était bien sympatoche. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Bah voilà, il fait toujours aussi chaud. Bon, bah comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà. Il fait chaud, mais bon, ça va. C'est supportable par rapport à tout à l'heure. En vrai, je me dis que c'est. Enfin, que la chaleur elle arrivait tellement vite par rapport à d'habitude et tout. C'est impressionnant, genre normalement, bah tous les ans c'est pas comme ça la chaleur, tu vois, genre c'est pas autant et pas dans ces jours là, dans cette période là, tu vois. Alors là on est, mec, on est en juin quoi, enfin mec, on est début juin et on a déjà ces chaleurs là, genre c'est n'importe quoi. Et par ici, en fait cette route là je la prends presque jamais, mais j'aime bien parce que en fait c'est que de la petite route, il y a plein de petits virages, tu vois, et genre regarde, t'es entouré de champs, tu vois. Donc c'est assez stylé. C'est assez stylax quoi. Elle est bonne celle-là. Moi je suis trempé ici ou c'est comment? Bon, du coup les gars, c'est bah là c'est l'été qui arrive, hein. Moi j'ai fini mes cours, les gars, franchement c'est carré de fou. On va pouvoir se remettre un peu aux vidéos parce que voilà, en ce moment je vous avoue j'étais pas trop sur YouTube, je vous ai un peu oublié les gars, désolé, excusez-moi les gars encore une fois, mais voilà, j'étais un peu pas trop sur YouTube en ce moment. Je vais m'y remettre là, les voir, il y a plus trop les cours et tout, donc je vais m'y remettre les gars, franchement comptez sur moi. Mais voilà, donc je vous dis ça tout simplement parce que les gars, moi, je me pose une question. Moi, je me dis, vous regardez cette vidéo, mais sinon, à part ça, à part YouTube, qu'est-ce que tu fais, frérot, de cet été? Est-ce que tu traînes? Est-ce que tu vas travailler? Et je sais pas, dis-moi, frérot, est-ce que tu travailles, je veux dire, manuellement, virtuellement? T'as capté, tu vois. Genre, vas-y, dis-moi, mec, dis-moi en commentaire ce que tu comptes faire cet été. Moi, franchement, ça m'intéresse de fou. Personnellement, frérot, moi, je vais aller travailler un peu... pour me faire un peu de l'argent pour investir un peu dans du matos YouTube quoi. T'as capté, je pense toujours à vous, hein. Je pense toujours à vous, même si je le fais pas voir à chaque fois, tu vois, t'as capté. Mais du coup voilà, puis bah après bah vidéo moi personnellement, mais moi ça m'intéresse de savoir aussi ce que vous faites quoi. Donc là on va passer clairement là on avait fait ma cabane dans la forêt avec Victor, les gars, les frérots qui étaient à cette époque là sur la chaîne YouTube. C'était l'été dernier, mec. Oh là là, une grosse dinguerie, grosse masterclass. Donc du coup là voilà, c'est dans la forêt à gauche, bon c'est un peu plus bas quand même. Mais voilà, donc par rapport à ça, j'avais fait juste une petite annonce communautaire sur la page YouTube du coup. Mais du coup je vais vous dire un peu plus. Maintenant en fait tout simplement il y a un garde forestier qui est venu en fait. Dans notre cabane, qui a vu notre cabane quoi. Et qui l'a tout simplement détruite, frérot. Donc c'est carré. Elle était juste à gauche. Du coup bah voilà, c'est carré, hein. On n'a plus rien du tout, on a tout perdu. Franchement on a trop le seum. En plus on avait ramené des gros bouts de bois et tout. On avait trouvé une autre cabane, mec, avec plein de morceaux de bois. Par contre eux ils avaient peut-être coupé. Donc on a fait du recyclage d'une autre cabane, t'as capté. Parce que les bouts de bois qu'on prenait dans l'autre cabane, frérot, ils étaient à 1,5 km de notre cabane. Et genre c'était pas les petits bouts de bois, c'était vraiment les gros bouts de bois. Il fallait les transporter et tout. Donc du coup on a vraiment le seum. Mais voilà, tant pis, c'est pas grave, on a joué avec le feu. Mais c'est pas grave, j'ai envie de te dire. Hop, attends, un petit virage.
On savait ce qu'on pouvait avoir, mais bon. Enfin bref les gars, c'était l'histoire de faire un petit motovlog. Cette vidéo m'a vraiment plu hein, de la tournée, c'était vraiment cool. Il fait bon, il fait chaud. Apéro, apéro. Enfin bref. Le mec qui... Ah je meurs. Le mec qui s'emporte dans un délire frérot là. Il a pété un câble. Enfin bref. N'hésitez pas les gars à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner mec, c'est très 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 important les gars, ça soutient la chaîne, c'est que du plus frérot, et c'est ça qu'on aime. Enfin bref, moi je vous dis à dimanche prochain, 14h pour une nouvelle vidéo. C'était Ethan, ciao ciao.